disent ben, on a des avions pour vous, mais il faut partir vite en presto. Le 22 au lieu du 25. Il n'y a même pas à choisir, il faut monter dans l'avion, partir. Là. Oui, 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 oui. Ça sera la priorité. Là. Donc, après le mariage. Jusqu'au mariage, ça va, mais il faut juste dire, on dit jusqu'au 23, non? Ouais. Il y a France. Il faut garder bon contact avec. Mais ils l'ont annoncé par les courriels, ils ont dit que ça se peut que leur vol, ça... Mais par contre, je ne sais pas si l'hôtel leur rembourse. Je ne sais pas si l'hôtel leur rembourse. Et à France, Maurice, il faut quand même aller comment ça appelle. Parce que Maurice, il y a Maurice, je sais qu'il y a France. Mais de l'autre côté, les Canada, les parents. Elle l'a préjugé, c'est à fond. Mais il faut qu'elle soit enseigne. Ça se trouve, ils ont fait des arrangements pour les retourner sur le site. Ils ont calculé le nombre de passagers qui doivent rentrer, qui doivent voyager. Non, ça ouais. Fait un avion, deux avions encore. Non, mais c'est à fond. Ou, comme ils travaillent avec Air Mauritius, peut-être qu'il va faire, il va aller basculer sur Air Mauritius, peut-être s'ils ont tombé d'accord. Non, de l'autre côté, je te dis moi. Et à France même qui doit faire. Oui. Oui. Ici, il n'y a pas de problème, ouais. Comme Xavier, je t'ai dit, je suis venu en France. Mais pour aller au Canada, oui. Voilà, ouais. C'est de l'autre côté qu'il faut assurer. On n'a pas discuté de tout ça. Oui, c'est moi qui m'a fait. L'essentiel, c'était le mariage. Donc, à partir de là, on va prendre le relais avec notre compagnie d'assurance, la compagnie aviatique, et avec tout le monde. Et on va voir qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'on va attendre. Nous. Ça, vous avez un bon restaurant. Restaurant à table de Caribou. Caribou. Arrête, Caribou, Nathalie, pas Caribou. Caribou. Là, ce sont les restaurants que vous allez manger mauriciens. Oui. C'est pas, disons, il faut faire ça gastronomique avec des sauces, avec des fruits. C'est ça, c'est voilà, bon. Exotique. Mais c'est tous les plats mauriciens. C'est un peu ce que vous avez mangé hier avec plus de galanterie. Oui, c'est ça. Et plus cher, on peut plus cher. Voilà, la galanterie se paye. Ouais. C'est les tables, c'est les tables d'hôtes, c'est les. La baroque sûrement, non? Les chandelles, les serviettes, les fourchettes. Et voilà, avec un petit vue sur la plage. C'est ça, vue sur la plage. Mais donc, vous voyez là. Ouais. Le concept qui se développe beaucoup maintenant, ce sont des lodges. Vous pouvez louer une chambre, juste une chambre en pleine nature. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Ils ont un restaurant, ils ont tout ce qu'il faut. Okay. Donc vous pouvez être en pleine nature, vue sur la mer, au milieu des arbres, avec tout le confort. Hein. Ça se développe beaucoup ici dans Maurice. Donc, sauf que, bon, se développe, mais un coronavirus petit, ça peut tout détruire. Oui, tout casser tout le développement, c'est vrai. C'est vrai. Pas l'abri de tempérer. Tu veux aller, mais tu peux pas aller. Tu veux venir, mais tu peux pas venir. Il y a moyen d'un joli vu là, arrêter, parce que sinon... Oui. Là, quand il y a des tours de Maurice, en cycliste, ils font ça. Il y a les rallyes aussi voiture, non? Oui, c'est pas Coula, Florian. Oui, la c'est montagne, bien. La montagne, oui, monte. Rue de voilà. Rue de Chamarelle. Chabanel. À Chabanel, ils font du café. Ah, plantation de café. Oui, et il y a le café de Chamarel et il y a aussi la terre des sept couleurs. Oh, je pense que j'ai entendu. Ouais, vous pourrez même dans les magasins de souvenirs voir les petits tubes avec les sept couleurs dedans. Ils vendent ça comme souvenir. Donc ça va mais du mauve au marron. Ce sont des dunes marron, que hein. Tu peux voir, c'est tout. C'est dans un enclos. À cœur bois, bienvenue. À cœur bois. Vous voyez, là vous montez, là vous avez des chambres à louer, etc. Chalet de champagne. Il faut réserver. C'est comme l'hôtel, mais concept nature. Ah, okay. Vous êtes vraiment séparé du monde, tranquille. Ouais, si on veut casser son habitude routière. C'est ça, la routine. Ouais, on est là tranquille, pas belle, de wifi, belle, pas de... Une belle vue là. Pas de wifi, pas d'électricité, pas non, de boucan. Il y a wifi, rien. Mais la Varang sur Monde, c'est un autre restaurant. Oh, c'est ça, c'est d'accord. L'entrée, au restaurant, c'est sûr. Ah, vous payez la vue là, regardez la vue à votre gauche, donc vous payez cette vue là pour manger. Mais j'ai pas l'argent sur moi, madame, pourquoi je paye la vue. Regardez la vue, j'ai payé la vue. Gratuitement. Oh, ça c'est bon. J'ai là, vu... Oui, j'ai vu quelque chose caché dans les arbres. C'est la même vue qu'on a vue de là-haut. En descendant, vous aurez plantation d'ananas aussi. Oh, c'est bien. Mais ils ne sont pas assez secrets comme au nord.
Bah, disons, là, je sais pas. Ouais, ça doit être pas mal d'avoir une bonne exposition. Parce qu'ils l'ont fait. Et puis, il y a une romerie. On fait du rhum. Ah, c'est ça, peut-être ça, la famille qui. Comment elle s'appelle? Il y en a une famille qui était établie ici depuis les générations, trois générations, quatre générations. Bon, le on avait vu où, sur le reportage. Oui, il vient là. Je me concentre sur le paysage. Oui, c'est sur le paysage, s'il vous plaît, même sur la route. À l'ouest. Vous avez le droit de les regarder sur YouTube après le paysage. D'accord. Maintenant, sur la route, pour me parler des arbres de voyageurs. Il y a les aloès aussi. Les aloès aussi. Aloès, c'est quoi? Alors, c'est plus court, il y avait c'est deux là. Aloe vera. Voilà, regardez là-haut. Ah, alors, comment l'aloe vera? Aloe vera, aloès, c'est la même famille. Oui, mais c'est la même famille. Oui, regarde ça. Le voilà. Petit, voilà. Tu vois les fils longs. On s'est senti gonis avec ça. Les fils. Et quand ça fleurit, ça fait une longue tige qui sort du milieu et qui monte à combien? 3, 4, 5 mètres? Non? Oh, c'est beau. Ouais. À peu près. Ouais. Et je prends tes dans la jambe. Je vais une ferme. Et il fait de fruits ou c'est juste la fleur? La fleur. Seulement. Mais avec les feuilles, on trouve des. On fait du fil, on fait des sacs avec. Ah, ok, sacs c'est comme ça, joutes. Oui, des joutes. Oui. Et on fait de. Des aloès en cône, hein? Oui. Je me demande si les filles sont en train de comprendre. Là. Mais moi, je veux les expliquer comme ça, bien. Les temps que vous m'expliquez. Ouais. Je veux m'expliquer à moi-même pour que je comprenne. Pour expliquer, voilà. Et un jour, quelqu'un qui va voir les vidéos va commencer à comprendre les explications. Et à la maison, vous branchez sur la télévision, vous pourrez repasser ça et expliquer à tout le monde. C'est ça, expliquer à tout le monde qu'est-ce qui se passe. Les bambous, c'est original de l'île ou c'était apporté par les Chinois? Je pense que ça a été importé. Comment vous le montrez pas dans le bazar? C'est ça que je pense. Parce que c'est un petit beau manger là. Non, les gros, les bourgeois. La route est belle, il y en a beaucoup de serpentines. Il ne doit pas y avoir. C'est ça. Oui, maintenant, il y a de l'Asie en venant à Maurice, en traversant Maurice. Mais si on voit des bananiers à l'intérieur de la forêt, sont bananiers sauvages, sont. Ils font des bananes. En bas, vous aurez là. Quand vous allez dans la vallée, vous allez voir. On y en aura là, au milieu des champs de l'ananas. L'ananas, c'est pas mal. Il y a aussi. Et puis des palmiers. Palmiers. Des cœurs de palmiers. Ah, sur des palmiers, on retire le cœur du palmier pour faire à manger. Oui. J'ai vu dans les boîtes de conserve le cœur de palmier comme ça. Je n'ai jamais goûté, je pense, mais peut-être un jour. C'est ça, on va voir c'est quoi les son l'air. Canada, c'est là-bas, moi, que passe le plan dans le cœur du palmier. Visiblement, avez-vous visité des pays de l'Afrique, monsieur Jean-Luc? L'Afrique du Sud. Vous êtes allé loin dans la terre ou juste à la capitale? Moi, je suis allé à Johannesburg, Pietermaritzburg et Durban. Pour l'église. Ouais. On est allé nourrir des pauvres dans les townships. Oui. Et dans les cités, quoi. La pauvreté et les grandes. Voilà, là où il y a la pauvreté. Et puis on a été dans les églises, aussi visiter des églises. Là-bas. Donc deux ou trois semaines. Seulement l'Afrique du Sud. Après Madagascar aussi j'ai fait. De l'évangélisation là-bas. C'est aussi pauvre. Il y a des gens riches, mais là le contraste entre les riches et pauvres est extraordinaire là-bas. Ils marchent du pied, mais vous leur donnez du linge, ils vont les vendre. Ils vont continuer de marcher. Ils sont habitués de marcher comme ça, de vivre comme ça. Mal habillés, sans souliers. Et s'ils sont heureux comme ça, oui. Pourquoi? On avait amené des valises avec du linge, des cahiers, des crayons pour l'école, tout ça, mais bon. C'est ça qui les écoles. Deux jours après, ils sont tous partagés. Donc, eux, ils ont tendance à aimer à recevoir, pouvoir revendre après je sais pas ce qu'ils font. Ouais. J'ai vu un reportage, les mines de saphir. Je pense, ou d'émeraude, je ne me rappelle pas quelle sorte de pierre, mais ils font des trous profonds comme ça, 20-30 mètres de profondeur en terre, c'est incroyable. Vous êtes mangé?
Saint-Gatien, moi je suis allé pour. Il y avait une conférence, une convention des pasteurs. Donc, j'ai prêché là-bas pour les pasteurs. C'est impressionnant parce qu'ils sont beaucoup. Tellement grand, c'est un pays de 12 millions quand même d'habitants. C'est très pauvre, mais les églises. La foi, elle est forte. Il y a la foi, il y a, oui, il y a la foi. Il y a beaucoup de persécutions aussi, mais il y a la foi. Mais par contre, oui, vous voyez, vous vous arrêtez sur un trottoir dans Tananarive, la capitale, vous prenez votre Bible, il y a tout de suite un attroupement qui se fait, vous pouvez prêcher la parole. Oh, c'est bien. On est venu sur un petit terrain de football, petit terrain délabré, avec un petit haut-parleur, et puis prêcher la parole, chanter des chants, les malgaches chantent des chants, après nous on prêche. Et vous avez tout de suite une centaine de personnes qui viennent, il y en a qui acceptent le Seigneur de Jésus en place comme ça. Il y a vraiment un support, un assoiffement. C'est intéressant. C'est comme Paul faisait dans... En Grèce. Donc je suis allé à Tananarive et à Tamatave aussi. Tamatave, c'est le port. Mais c'est 7h à 8h de... C'est le frein moteur qui fait ça. Oui, c'est ça que... Sur les vitesses automatiques, c'est toujours drôle le frein moteur. J'ai du mal à m'habituer à ça. C'est pour ça que le automatique. Ça parle de manuel. Vous aviez, oui, pour l'instant, oui, il faut qu'il change de manuel. Alors à gauche, vous allez voir, il y a une maison qui a une cheminée. C'est la romerie. Ah, ok. On fait de rhum. Okay. À droite, vous avez des palmiers et vous avez aussi. Tu veux pas, s'il te plaît. Là, il y a la ligne blanche. Attends, on ne voit rien là. Il y a les cannes qui sont hautes. Voilà les cannes devant. Champ de cannes. Regardez les palmiers là, vous voyez, c'est ça avec le cœur. Oui. Voilà, au milieu aussi. C'est pas là-bas, palmiers, ça c'est. Là, petit, non, palmiers, c'est pas. Là-bas, là, non. Là-bas, là, cocotier, ça. Il n'y a plus de. Ananas. Il y avait ananas longtemps. Tout ça c'est privé, hein? C'est des terrains oui, privés. Quand c'est clôturé, c'est privé ou c'est un établissement? Ça peut pas s'appeler? Non, c'est. Pas médecin non plus, ça. Mais là, on demande ma guise de trait de canne parce que. Non. Parce qu'il a mon démarrage de trait de canne parce qu'il. Il y a le moulin par ici. Voilà les bananes. Vous voyez à gauche, là, les bananes. Bananerie. On mange ça, Mandimoun, qui est resté là. Mandimoun qui est resté là. Là, je vais guérir la canne. Voilà les bananes. Les bananes. Les bananes. Regardez là-haut. Oui, je vois les bananes. C'est bon. C'est bon? Oui. J'ai vu les bananes. Maintenant, la terre de cette couleur. Petit cap. Casnoyal, petit cap à gauche. Casnoyal. C'est là. C'est là. Oui, c'est là. C'est ici. Oui. Je pense. C'est ce petit village. Chamarelle, le village de Chamarelle. Mais ils ont développé ça. Il n'y avait pas tout ça autrefois. Maintenant, il y a des restaurants partout. En Chamarelle. Encore un jour, ça veut resto. Dire resto. And coffee. Oui. Poisson, je sais pas quoi, poulet, je sais pas quoi. Mettre brin gel, mettre aubergine dans le poisson. Si les touristes vont pas atterrir, on va avoir une grosse. Tout fait brin. Manque de gagner. À gauche. Chamarelle, Pays du Cap. Là, c'est la village hall, salle de le village. Donc s'il y a des gens qui sont sinistrés dans le cyclone, ils peuvent venir se réfugier là. Vite seulement pour un petit champ. Ouais. Mais les cyclones vont affecter même l'intérieur de l'île, ah oui, des fois. Partout, oui, partout. Ah oui, parce que ça dépend pas... où ils passent, s'ils passent au nord, s'ils passent parfois en plein sur l'île. Mais des fois, c'est la largeur de l'île au complet ou ça c'est peut arriver, tout dépendant de la grandeur du cyclone. Ouais. Tout le monde va en ressentir les effets, mais partout, des magasins, des restaurants, c'est incroyable. Il te met dans le restaurant typiquement créole. La table d'hôte, tout ça, la gamme. Ouais, oui, c'est ça. Oui. Finalement, manger de chez nous, qui présente. Là, vous avez la poste. La poste est couleur, la bleue et jaune, le blanc jaune, là. Bureau de poste de ce, chemin, ce chemin-là, c'est là qu'habitait. Comment il s'appelle là? Il a été arrêté, il a été tué d'ailleurs. C'est qui faisait Barbélis là.
pas... Ah ouais, il habitait dans ce chemin-là, ouais. Moi j'avais été livré, à l'époque il le cherchait, et j'avais été livré une bouteille de vin. Dans ce cyclone-là, qu'est-ce qu'il a fait? Dans ce cyclone-là, t'as vu là? Oui. On voulait s'arrêter à Macondé avec Didier, on n'a pas pu, il y avait un tournage de film. Ils nous ont empêchés. Tu peux pas tout faire, ça te bouffe. Là, tu fais Chamarelle avec eux, mais le parti est Macondé, tandis que là, tu pourrais Macondé. Là, tu fais Chamarelle, de pas faire Casmaya, de pas faire au monde. Non. Mais là, Chamarelle aussi, tu montes à l'autre, tu peux y être dilité, parce que tu pourrais disperser avec la boule. La boule, la boule. La boule, la boule. La boule, la boule. La boule, la boule. Là, il y a café normalement. Café, palmiste. Attends, là, laissez les cafés, là, regarde ici. Là, doucement, j'en ai plein. Regarde les filets là. Plantation de café. Ouais, c'est ça, là. Café du Chamarelle. Oh, ça a l'air de café, là, bon café. Il n'y a rien là, ouais. Non, sont toutes récoltées. Ouais. C'est pas les saisons. C'est café. Café. On a fait ça, on dit ça ou bien quand même. C'est les paysans qui viennent de travailler. Oui. Voilà, ils finissent le travail dans le champ. Ils commencent de bonne heure, avant le soleil, et puis là, on vient les chercher. Fini la journée, là. Et dans la rivière, il y en a des anguilles. Cabaret. Il y a même un village qui s'appelle Rivière des Anguilles. Oui, j'ai vu un endroit où il pêchait des anguilles. Oui. L'odeur, c'est quoi? C'est de ça, ça vient du fumier, hein, à mon avis. Oui, c'est ça, un peu de plantes. Tout ça, ce sont des chassés, là. Hein. C'est privé, c'est pour ça qu'il y a des bambous aussi grands. De l'autre côté, c'est pour une personne, c'est privé. La maison. Ouais. Mais normalement, tout le petit bébé, ça te dit ça. Tout ça, t'as quand même une routine, ça va bien encore. Ça, tiens, Fatac, là, tu fais les balais à droite. Ok.
ça, on coupe les petites tiges, on les fait ensemble et c'est de balayer. On les sécher, Nathalie, non, les tiges, on les sécher, ça t'attaque. Oui, et puis on fait les balais. Je vais te montrer à la maison. Le balai, c'est un balai naturel, éco, comme on dit. Chez nous, en Roumanie, il y en a aussi. Oui, c'est ce qu'Anna m'a dit. Un autre arbuste comme ça qui a plein de feuilles. Ouais. On fait des balais pour les plafonds, on fait des balais pour la maison. J'ai même montré à Anna les balais avec les feuilles de coco. Mais c'est la ville qui a coupé les bambous ou... Non, c'est pas la ville, c'est le propriétaire. Le propriétaire, ouais. C'est plutôt la côte là-haut et tout. J'ai pas vu encore de cerf, Jean-Luc. Non, je ne pas, sinon ça voudrait dire qu'il me traverse sur la voiture. Donc... c'est ça, mais te voir de loin, hein, peut-être. Pas, non, mais ils sont ici dans les forêts, ça peut être. Peut-être quand on va retourner sur nos pas pour rentrer à la maison, avant Rivière-Noire, il y a une place, il y a des cerfs. Mais on va retourner sur le même chemin ici? Non. Un autre chemin pour avoir voirier sur Flicansoire. On fait un tour en fait. Oui. On est parti par les hauts Vaquois et puis on va redescendre la mer. On va être au bord de la mer un petit peu. Oui. Doucement. J'ai fait un long voyage aujourd'hui. Xavier va nous attendre, il va s'impatienter où ils sont. Mais il se lève tard, les amis, il prend tout son temps quand il est en vacances. Pas pressé. Il n'y a que Michel qui va se réveiller tout là. Oui. Et elle va réveiller tout le monde. Exact. Allez, on est en vacances. Tous les deux là. Il y a des roches qui tombent. Vous voyez, c'est même desservi par la. Regardez à côté, c'est l'homme, regardez, on a coupé. Vous avez coupé sur le chemin. Avec ce billet d'avion, tout à faire, sur trois nuits. Oui, quand on se fait à tout. 9990. Ouais, 10 000 roupies. Mais la conférence, c'est Covid, pas de papa. Non, nous, Mauricien, gagne pas les. Mauricien, la Réunion, non. Je ne veux pas aller tout la Réunion. Mais Maurice, oui. Puisqu'on n'est pas malade. Nous, on n'est pas malade, nous. Mais là, à Seychelles, il y a des cas. Hein. Il y en a des cas au Seychelles. Oui. Ils vont fermer toute la région, je pense. Seychelles. Pour ça, ils ont peur d'arriver en Afrique parce qu'il y a des villages pauvres comme ça. Et ils n'ont pas les possibilités de soigner tout le monde. Mais en Italie, depuis les premiers jours, les médecins ils ont été obligés de prendre le choix qui va traiter en priorité. Comme c'est la boue, comme c'est... Ouais, ça se fait de glissement de terrain de fois. Il y a trop de bruit, comme là, il y avait la boue.
C'était fermé dernièrement, c'était fermé par là. C'était bloqué par tout, glissement, la boue. Vous allez bonner une fois que tu passes par là, c'est bloqué. Ouais. On était remonté par Capip seulement. On avait fait à peu près 100 km dans une journée. 100 km, ouais. Mais si on réalisait la totale qu'il se garde jusqu'à là-bas, on va en avoir 20 000 sur Capip. 20 000, c'est 3 000 de l'autre côté, côté. 1 000 en kilomètres. Capip, Capip est... 1 000, 3 km, non? Hein? Oh. 3 km. 5-8e... Allô, papi. 5-8e, on va dire. Là-bas, la mer à droite, là. Oui. C'est ça qu'on avait vu depuis là-haut, on descend là. Oui, ça. Attends, il faut que la montant, ça monte encore un petit peu. Ça va redescendre. Vous finissez la nouvelle petite village en bas, là. Il n'a pas le droit de la faire. Nathalie, l'Euro Football 2020, Papouina. Non, ils vont faire ça, ils ont reporté ça en 2021. Oui. Avec une Copa América aussi. Ils vont annuler les Jeux Olympiques, je crois. Ils n'ont pas encore dit là, ouais. Non, non, mais après moi. D'après oui, logiquement, parce qu'il y a trop de monde. Oui. Là oui, c'est pas mort, c'est pas ça là. Et puis il y en a qui ne vont pas venir. À sucre, c'est pas encore sucré. Non, c'est pas encore prêt. On peut couper, tu regardes à l'intérieur. Pas de sucre. Huit bancs à droite, hein, Jean-Luc. Quoi? Huit bancs à droite, non? Huit bancs. Bancs. Ruban. Bancs, B-A-N-C. Oui, quoi? Je comprends pas ça. À droite de l'église. Ah, oh là là, t'es dans l'église. Nathalie, nous dans le Souillac, nous peut descendre dans B du Cap. Oui, à droite. Oui. D'accord. Mais comment tu gagnes la Vina Mobile Data, bon, fait? Ouais, m'a envoyé un message. SMS. Ah, SMS, ok. Ben, 8 bancs à droite. C'est que je n'ai pas répondu. Pour nous, c'est 8 bancs. Et puis de l'autre côté, il y a les 3 premiers bancs pour les musiciens. Oui, c'est ça.
pour arriver à Bélica. Je suis tout mêlé, j'ai compris que c'est les montagnes de Whitman. Je connais quand même. On arrive en bas là. On va les récolter moi de juin pour l'anneau. La canne, la coupe. Juin, la chasse. Et ça va être tout coupé par ici. Ouais. Tracteur en vue. Tu vois, ça va être tranquille. Oui. L'établissement, ouais. Ça c'est coupé à la main, pas avec les machines sur les pattes. Non, on ne peut pas mettre machine qui est sur la montée, c'est en pente, terrain est en pente, on doit couper avec la main même. C'est grand champ plat, ouais. Quand c'est bien plat, là on peut mettre machine. C'est bien payé de couper la canne? Ah ben oui, pas tout à fait. Hein. C'est un métier très dur ce moment. Oui. Comment de bonheur le matin, physiquement? Mais maintenant, ça aussi, il t'a donné un quota, combien de tonnes tu peux il faut couper. Pour ça reste pas cessé dans le carreau. Florian, cette sucre que tu vois là, ça va en Europe, communauté européenne, Belgique, ok? Ah, ok. Eux, ils vont revendre ça avec des grands métaux ferro-rochers, des trucs comme ça pour pouvoir, des grands marques. Okay? Ah, ok. Mais Maurice, on n'a pas de sucre. On importe de la Chine, figure-toi. Mais c'est pas correct. Hein. On va c'est faire. Pas correct. On va faire Maurice, une plainte. Maurice préfère vendre. Pour avoir des devises, pour faire rentrer dans son économie. Mais ils vont vendre. Acheter meilleur marché en Chine. Mais ils préparent ici les sucres ou ils vont avoir les matériaux. Ils fabriquent le sucre. Ah, ok. On les expédie en qualité. Je pense que demain on va aller faire un tour dans un supermarché, on va te montrer les sucres produits par les Mauriciens. Les grades de sucre, tout ce que tu peux avoir. C'est la polémique qui n'a pas de sucre là. Ça explique dans le musée du canard à sucre et on vend les sucres. Faut exciter, ben oui. Je te les passe par une semaine pour aller plus vite. Et puis je tombe sur les touristes, ils me la rendent dans le trou. Oui. Les bananes à droite. À droite, regarde, bananerie. Banane en vue, plein de bananes. Banane petite. Oui. Ils sont sucrés? Oui. J'ai acheté au marché, je vais goûter dans l'après-midi. À gauche aussi. Et en plein dur ou droite? Dans plein dur, en vue. Madrasse. Police en vue. Voilà. Nous arrivons à Baie du Cap. Ils sont près de Baie du Cap. Là, on rentre dans le village. Sont les requins. Les requins, Hors du lagon, oui. Mais dans le lagon, il n'y en a pas beaucoup qui entrent dans les lagons. Non. Presque jamais. Non, il n'y a pas les dents de la mer. À La Réunion, oui. Mais pourquoi ils vont faire de films dans de la mer numéro 5. Mais pourquoi ils ne vont pas dans les lagons?
Parce que pour nous, c'est bien fermé, si tu veux. Là. Il n'y a pas okay, okay. De porte ouverte. Et tout de suite après la barrière de corail, l'eau est profonde. Ah oui. Ça descend à pic. Oui. Parce qu'on voit la couleur. Oui. Et Dieu dit qu'il a fait une barrière, hein? Oui. Pour arrêter l'orgueil de tes flots. Mais ça franchit maintenant. Ouais, ça franchit. On va tourner à droite pour aller à Macondé, puis après on va revenir par là pour aller à Pompon. Macondé, c'est quoi? C'est un rocher. Vous allez voir, c'est joli. Un petit on va monter sur le rocher, si on peut. Et puis, t'arrêtes, pourquoi tu passes à la pique en plat? Oui, après on va revenir par là pour aller. Avant d'aller pique en plat, on va au monde à Rougeant. On regarde l'heure. Ouais, on va pas ça dépend de l'heure. Il fait quoi lui? Mais on peut pas doubler là. Non, on peut pas doubler parce que la double c'est pas bon. Seulement il devrait rouler. Ouais. Il va à 4 bornes là. Mais regardez comment c'est la perle du jour. C'est la perle du jour. Celui il cherche des passagers. Ce n'est un qui est en retard. Papa qui passait? Oui, il était déjà décalé lui. Il avait vu que le monsieur faisait ça avec ça. Ouais. Sa main. Moi j'avais pas vu, voyez, c'est ce rocher là. On va aller se garer. Oui. Puis on va monter sur. On va monter en haut. Il y en a qui prétendent que quand il fait bien clair, on voit la réunion. Il y a tout le soir. On voit la réunion. Mais lui, ouais, il est bien dans la réunion. La réunion, c'est environ 800 km. Oui. C'est à combien? 800 km. La réunion est à combien de kilomètres? La réunion est à combien de kilomètres? Il avait des poissons frais. On va retourner quand on va retourner, on va acheter des poissons frais. Ce sera plus frais quand on arrivera à la maison. C'est vrai. Mais il va être mort pareil. J'adore les poissons, bien sûr que je garde les poissons. Si j'attrape. Là, ils ont bien fait, c'est qu'ils ont fait de la place pour ce mois. Ça c'est Macondé. De l'autre côté au Chien, de l'autre côté au Chien, là, ouais. Là. Il y avait la montagne qui s'est coulée. Oui, c'est ça qui dit grainé la voie des amis, là, ils mettent. Moi je vais aller en avant de filmer. Attends, je fais mon truc. Ah. Voilà, c'est fait. Ok. Allô. C'est la mer. Lagune, pas de requin. Chemin bloqué. Comment s'appelle les rochers, Pépé? Comment s'appelle les rochers? C'est Macondé. 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 Mais oui, d'accord. D'accord, Macondé. Macondé. Ça vient de quoi? Macondé, ça veut dire quoi? C'est l'endroit qui s'appelle comme oui. Ça. Mais il faut avoir une traduction de nom. C'est rocher perdu, rocher isolé, rocher blanc. Je pense que les montagnes qui ont mis bien, ils ont tout coupé ce chemin-là, non? Tu ça se passe. Ok. Perle de fin. Belle plage en vue. Monter les escaliers une à la fois ou deux à la fois. Montez Florian Lagune poisson. Excusez.
la roche volcanique. Oh. La roche Macombe, je sais pas comment. Si je me concentre, je pense que je vois la réunion. Je vois une réunion. Non, c'est comment on dit? On s'est réunis là, ouais. Ah, c'est ça. Nous sommes réunis. Parce que c'est les courants et la profondeur de l'eau.